Salutations, ladies and gentlemen, on se retrouve sur les tutos pour progresser. Et bien, on va pas en rester à la petite maison viking. On va repasser à la première personne et regardez, on est au marais. La maison viking était issue de pillage défense saison 1. Et là, eh bien, on est au marais de pillage défense saison 2. Mon équipe, hein, je ne me permettrai pas de faire des builds sur les équipes des autres. Donc j'avais copié-collé ce petit village qui avait été réalisé sur donc la saison 2 de pillage défense dans un village acacia customisé donc en orc. Et on avait fait une petite partie en village des gobelins. Surpiloti parce qu'il y avait un marais collé au village Acacia. Donc c'est pour ça que vous retrouvez beaucoup d'Acacia dans ce build, dans ce pattern. Et les grandes plateformes, évidemment, je n'aurais pas forcément fait ça si on n'avait pas été dans un concept avec les villageois. Parce que bah évidemment ça fait des gros paquets qui coupent l'eau en plus, mais c'était indispensable pour ces messieurs, les villageois, pour pouvoir circuler. Tout simplement. Voilà, donc un petit village bien sympa. Je vais commencer avec cette cabane de pêche, avec le petit filet de pêche ici, et une ferme AFK. On s'en est très peu servi, mais voilà, c'était les fermes AFK. Ben, en 1.16, c'est fini de toute façon. Et surtout, ben, les maisons standards et le gros, gros, gros morceau, pardon, c'était le moulin. Qui est lui dans le pattern, bah, c'était le premier que j'avais fait en test, et voilà, décoré par les copains et la copine, c'est Garden Jeff, qui m'ont fait une belle déco à l'intérieur, j'avais rien fait du tout moi. Voilà, donc petit aperçu du rendu final avant de passer à l'explication comment fabriquer une maison des marais surpilotis, plutôt gobelin on va dire, mais peu importe, c'est une maison des marais surpilotis. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de reproduire avec vous celle-ci, vous expliquer comment j'ai fait pour éviter les allers-retours d'écran. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. On va vraiment regarder régulièrement ici comment c'est fait et je vais vous expliquer tout simplement comment moi je les ai construites en survie pour un résultat assez sympa, je trouve, et pas très compliqué ni long à faire. Ça vous change des petites maisons rectangulaires, une petite maison ronde surpilotie dans une espèce de coupole. J'essaierai de vous mettre en screenshot l'inspi qui m'a conduit à ce pattern. Allez, c'est parti. On va commencer par ce que je mettais en premier. Je sais pas du coup. Ah, si, ça va marcher comme ça. Ouais, si, ça va marcher. Voilà, je commençais toujours par poser, pour faire cette maison-là, des échafaudages pour centrer un petit peu la petite maison. Alors moi, j'ai regardé un petit peu, je pense qu'ici, ce serait pas mal qu'il y en ait une qui réponde aux autres. Par exemple, à peu près, peut-être plus près du bord, là, pour dire que c'est ceux qui habitent plus par là, entre la maison port avec le petit radeau de Gold Robin. Et le reste du village, ouais, on pourrait en faire une ici. Donc, on va la centrer déjà. Hop. Alors, vous, pour la centrer, c'est simple, hein, vous posez. Alors, par contre, oui, je vais peut-être enlever les shaders, le temps de build, parce que je ne vois pas les délimitations des blocs. Et ça, c'est compliqué. Hop. On change d'atmosphère graphique, si je veux bien ne pas planter. Merci. Hop. Hop, reprendre la partie. Voilà, là on voit les petites délimitations. Hein, quand on pointe vers un bloc, c'est quand même un petit peu plus pratique. Donc vous allez positionner le centre de votre maison. Vous allez monter un petit peu vos échafaudages jusqu'à la hauteur qui vous semble adéquate. Alors le plus simple, c'est d'y monter tout simplement. Hop. Voilà. Imaginons qu'on soit dans la maison, le bas de la maison. Hein, donc il faut imaginer qu'on va être 2-3 blocs plus haut. Je pense qu'on peut être pas mal avec une petite passerelle éventuellement pour rejoindre la terre ici. Ça me semble être une hauteur pas mal. Voilà, voyons ce que ça donne en créatif et en volant. Ouais, ça fait une hauteur pas mal. Parce qu'il ne faut pas que ce soit disproportionné non plus au niveau des pilotis. Comme je mets des simples barrières, il faut quand même qu'on ait une sorte de cohérence globale. Alors ensuite, le bloc dont vous allez avoir besoin, tiens d'ailleurs, on va faire un truc parce que là, j'ai trop de blocs. On va virer tout ce dont on n'a pas besoin. D'ailleurs, il y a poubelle ici, tout simplement. Pourquoi s'embêter? Là, c'est pas grave, on verra plus tard. Voilà.
Oh bah même ça, j'en ai plus besoin pour l'instant. Donc, on va prendre nos blocs et ça va vous permettre... Ah zut de vous montrer les blocs nécessaires pour ce build. Donc, il vous faut des bois d'acacia. Donc, pas les bûches, hein, les bois d'acacia. C'est pour l'esthétique, il faut qu'on ait le bois d'acacia sur tous les côtés. Il vous faudra ensuite, évidemment, de la planche d'acacia, de l'escalier d'acacia. Il vous faudra également des dalles en chêne, leur copain, copine, non, j'ai pas mis de planche, voilà, planche de chêne, il me semblait bien. Voilà, vous aurez une bonne base déjà. Ensuite, il nous faudra, pour la finition, des petites barrières en acacia. Vous voyez, moi, j'utilise à fond les moyens à ma disposition quand je fais un build dans pillage défense. Là, on était en village acacia. On a fait vraiment avec ce qu'on avait à côté. Et voilà, vous n'avez pas besoin de beaucoup plus que ça. Bon, une petite porte, évidemment, des lits, etc. Mais ça, c'est la déco. Donc, juste 1, 2, 3, 4, 5 blocs différents. Un petit feu de camp aussi. Et des barrières acacia. C'est quand même pas très compliqué. Donc, vous positionnez déjà le centre de votre piloti. Je l'appelle ça les piloti, puisque Pilo jouait avec nous. Et voilà. Et donc, on va faire un petit pattern. Donc, vous voyez, on se met en dessous. Pour bien le voir, donc le centre, deux de part et d'autre pour faire une croix, et on va remplir de deux après ici, ici et ici. Donc j'ai fait ce pattern de boule, on va dire, avec Plots comme d'habitude. Donc le site Plots, P-L-O-T-Z, hein, je mettrai le lien en incrustation, et qui nous permet du coup de faire des trucs vraiment bien sympas. Alors, hop, 3, 1, 2, pardon, 1, 2. Et là, on remplit dans le même sens que... Ah, mince. Toujours dans le même sens, c'est important pour avoir les veines du bois qui donnent un style. Voilà, donc là, on a déjà notre base. Ensuite, on va élargir notre petit cercle. Donc, vous voyez, on va mettre 3 ici en pointe. Donc, 3 à nouveau ici, et on va remplir après, donc 3 au bout, et 3 sur les côtés pour remplir. Voilà, 3 au bout, 3 sur les côtés. Alors, ça nous donne quoi? Je retrouve le... Alors, pour positionner, moi, j'utilisais cette petite astuce-là. Alors, évidemment, ce que j'avais fait hein, pour pouvoir monter et descendre, c'est que j'avais fait comme ça. Évidemment, en survie, vous en profitez pour faire comme ça. Pour pouvoir build. Donc après, pour build tranquille, moi ce que je faisais, j'avais trouvé une jungle, donc forcément ça aide pour le bambou et les échafaudages. Donc ce que je faisais tout simplement, c'était comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Ensuite, je complétais comme ceci. Hop. Donc, 1, 2, 3, on a dit, hein, partout. Hop. Hop. C'est bon pour les 3, oui. Et ensuite, on va compléter. Alors, l'idéal, ce serait de rester dans la ligne de bois de la version du dessous. Donc là, vous pouvez vous mettre contre l'échafaudage. D'ailleurs, y avait-il besoin de... Ah, pas sûr. 1, 2, 3. Si, par rapport à l'échafaudage, il fallait quand même que je remplisse 2, 3. Ok. J'étais pas sûr de mon coup. Mais pour l'esthétique, effectivement, on fait 3. Ah, ce qui fait que du coup, là, on a 4. Tiens, je me rappelais pas de ce détail. 1, 2, 3. Ouais, si, c'est ça. Alors du coup, je me demande si quand je l'ai construit, j'ai pas fait une petite erreur, parce que hein, ça casse l'aspect symétrique de faire ainsi. Et ce qui fait que j'avais mis un bloc en plus ici, alors que je l'ai pas mis là. Tiens, tiens, c'est intéressant. Et ben c'est pas grave, on est en reproduction. Ouais, j'avais dû faire un 7 par 11, il me semble, c'est pour ça. Et donc, du coup, j'hésite à chaque fois.
Ici, on en rajouterait un en plus pour soutenir, du coup, les quatre. Alors que là, il n'y en a pas. Ok. Eh ben, on va faire comme ça. Hop. Et hop, voilà. Là, comme ça, vous avez votre soutien. Et ça fait non pas un rond, mais un ovale. Je ne sais pas si on le voit bien au-dessus. Voilà, vous avez un ovale, on va dire. Ce qui fait que du coup, bah ça monte. J'ai même pas besoin de celui-là d'ailleurs. Hop. C'est juste cela dont j'avais besoin. Voilà, donc là, on a fait deux rangées de notre. Comment on appelle ça? Notre base, notre coupole, notre ovale, notre ovoïde. Donc on va passer à la troisième rangée. Donc la troisième rangée, hop, on s'appuie sur le bloc du bout et on en rajoute deux. Ici, on va à nouveau mettre 3 et on va compléter de 2. 3, 2, c'est bien ça. Là, on s'appuie, on en met 2 et ça va se compléter tout seul. Oh, bah du coup, j'ai un doute là. Ah oui, non, j'ai fait une bêtise. Celui-là, vous n'en avez pas besoin. Hop, c'est ici qu'il faut en mettre un. Hop, ici. Voilà, je me disais aussi, il y a un truc qui va pas. Donc là, on s'appuie. On s'appuie. Tiens, c'est marrant. Ça tourne pas toujours. Voilà, ce serait plus esthétique comme ça. Bon, ça après, il faut vous adapter, hein. En survie, c'est un peu plus compliqué. Donc, j'ai dit, on met deux comme ça. Deux comme ça. Et on fait pareil ici. Là, par contre, hop, on va mettre un échafaudage toujours pour s'appuyer. Hein, et on va mettre 1, 2, 3. Comme ça, il ne manquera plus que les deux à bloquer. Donc, on va mettre un ici, deux et trois. Alors, bah là, hop, on va juste faire ça. Hein. En survie, j'aurais continué à poser des échafaudages, évidemment. Mais en créatif, c'est un petit peu plus simple. On se permet d'enlever des blocs et de les remettre. De mettre et d'enlever plutôt, devrais-je dire. Voilà, donc là je vous montre du dessus, comme ça vous pourrez faire un petit arrêt sur la vidéo pour le pattern. Donc là on a trois rangées. Voilà, j'essaye de vous montrer la vue globale. Et donc ça nous forme la base. Là on est bon, on a la coupole qui sert de soutènement de plancher, on va dire. Voilà, c'est un plancher. Ensuite, on va avoir des bûches qui viennent ici pour faire les encadrements de la des ouvertures, on va appeler ça. Des ouvertures bouchées, parce qu'il y aura des ouvertures dans les angles également. Donc ça, c'est facile. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Et on conclut sur ce côté-là. Voilà. 1, 2, 3, 4. Bah, tant qu'on y est, on met tout de suite nos petites barrières. Voilà, ça fera nos ouvertures. Bah, peut-être la porte de ce côté-là, donc on ne va pas mettre de barrière. Voilà, ici, ce sont des fenêtres. Alors, la petite astuce que j'ai utilisée là-bas, que je trouve sympa, c'est de jouer avec les escaliers pour faire des espèces de meurtrières. Alors, sur ces bouts-là, on va mettre juste dans cette partie de l'ovoïde des planches d'acacia. Et ici, on va jouer avec les escaliers. En les mettant ainsi, un en position basse, un en position haute, et regardez, ça fait une petite fenêtre. C'est ce que je trouvais sympa dans le style. Ça m'est venu en buildant, donc voilà, c'est l'inspiration du moment. Des fois, c'est on part d'une base, et puis au fur et à mesure qu'on construit, on arrive à faire un petit truc rigolo. Hop, voilà. On arrive à la fin, le toit. Évidemment, il y a la déco et tout ça. Hein.
Voilà, donc là, vous voyez, on a déjà une bonne base et maintenant on va pouvoir s'attaquer au toit. Alors le toit, c'est une alternance de dalles et de planches de chêne. C'est pas très compliqué, l'idée c'est de faire de l'arrondi. D'ailleurs, je préfère celui-ci à celui-ci. J'avais fait quelques ratés. Là, par exemple, ici, je préfère comme ça. Voilà, pour donner un petit effet dégradé. C'est plus sympathique. Tiens, on va les changer tout de suite, ce sera plus rigolo. Hop! Ah bah je l'avais fait en plus pour la porte d'entrée, donc voilà, plus sympa comme ça. Donc, et bah vous avez compris le principe, on va déjà faire une petite délimitation. Alors que je me rate pas, hop, on regarde quand même. On va faire en planche de chêne déjà tout autour. Poum poum poum, et après on fera le bord du toit. J'ai pas de règle par rapport à ça, hein, c'est ce qui rend aussi des fois les maisons un peu différentes. S'adapte au fur et à mesure. Voilà, on va se faire un petit pourtour ainsi. Parce que l'idée, c'est d'avoir un pattern de base quand vous faites un village, mais pas forcément de toujours faire exactement pareil, histoire de varier un petit peu la forme, la décoration. Donc là, hop, on met comme ça. Ici, on va faire pareil. Hop, hop. Petit décalé, hein, on fasse des ouvertures toujours. Là, on met juste au-dessus pour que ce soit dans l'alignement. Petit décalé au-dessus de l'ouverture. Ploup. Petit décalé. Et voilà. Déjà, on a une bonne base de toit. Alors, pourquoi du chêne sur de l'acacia? Bah, parce que ça a donné un petit effet, je trouve. Sympathique en termes de un peu chaume, voilà, il n'y a pas de chaume dans Minecraft, alors on ruse. Ensuite, dans les angles, vous allez positionner comme ceci des dalles en position haute, ce qui va vous permettre, mince, ça l'ai déjà fait, voilà, c'est bon, de positionner la deuxième épaisseur. Alors on est sur un toit relativement plat, donc on monte de l'épaisseur d'une demi-dalle à chaque fois, pas plus. Donc là, pareil, vous allez sur la base de vos petites cornières, là, vous allez tout simplement faire comme ça. On va boucher. Hop. Alors on commence par les grandes longueurs. D'ailleurs, ici, ça pourrait être sympa au centre, vu qu'il y a une grande longueur, de l'augmenter un petit peu. Pas là. Pas là, non. Pas là, pas là. Ça se discute. Ici, on va commencer à refermer, du coup. Hop. Pour garder le côté, ça se resserre au fur et à mesure. Là, vous voyez que on va pouvoir mettre tout de suite des dalles. On referme notre toit. Je ne le fais pas exactement pareil, hein, que mon modèle, mais. L'idée, c'est de regarder de temps en temps ce que ça donne et de garder votre côté toit arrondi. Qui d'ailleurs n'est pas sécurisé, parce que là on a des dalles en position haute. On va continuer à augmenter un petit peu à chaque fois ici et ici, ce qui nous permet du coup d'anticiper la suite. Hop. Comme ceci. Et voilà. Hop. On a presque fini. Là, je laisse ouvert parce que vous avez vu, j'ai mis des feux de camp systématiquement dans ces petites maisons. Parce que bah voilà, ça pose l'ambiance, puisque maintenant on est presque bon. Il ne nous reste plus que les pilotis. Je vais quand même mettre tout de suite le feu de camp. Hop. Voilà, un petit feu de camp. Ça pose tout de suite l'ambiance, je trouve, un petit peu marais. Donc là, on a une maison déjà très originale, monopode, qui va être sur échafaudage, du coup. Et bien, pour terminer cette explication, je ferai la petite déco pour le timelapse juste après. Mais je ne vous expliquerai pas comment on décore, ça ne servirait pas à grand-chose. Je pense que vous savez décorer, quoique, si, il faudrait peut-être que je vous montre un petit élément. Alors, une fois que vous avez fini, hop, vous pouvez enlever vos échafaudages déjà. Vous pouvez aussi, hop, boucher le trou qui est en dessous. Et donc, on va positionner les pilotis. Les pilotis, il faut qu'ils soient relativement bien positionnés. Donc, moi, je les appuie sur le deuxième pour que ce soit assez logique.
et pas un disgracieux. Hein, donc le deuxième, c'est celui-ci. Et évidemment, on va s'appuyer sur les angles. Hop, pour que ce soit assez logique. Ensuite, eh bien, c'est simple, hein, on descend jusqu'au sol, qu'on ne modifie pas. Pas de terraforming, moins on en fait, mieux on se porte en build, selon moi. C'est mon principe. Là, donc on voit que ce sera ici. On s'appuie. Là, pour renforcer un peu, j'ai toujours fait un petit peu comme ça, mais en dissymétrie. Voilà, un petit peu. Voilà, pour dire, il y a un peu de renfort quand même au niveau du pied, pour que ça tienne. On fait pareil sur les quatre pieds et on en aura fini avec le gros œuvre de cette maison. Démarrer sur pilotis, qui peut être un village gobelin, mais pas seulement. C'est vous qui voyez. Voilà, le lore de votre game, c'est totalement libre. Vous faites exactement comme ça vous chante et c'est bien le plus important. Voilà, là on renforce bien le pied, parce qu'il est haut, hein, celui-là. Hop. Alors, je suis à 21 minutes. Je suis dans les temps pour un épisode normal chez moi. J'essaye quand même de respecter quelques petites règles, même si je sais que parfois ça ne dérange pas d'avoir un peu plus long. Il faut quand même essayer d'avoir une longueur d'épisode cohérente. Allez, dernier pilotis. Après, on passe à un petit peu de déco, très rapide. La petite passerelle d'accès aussi pour que les villageois puissent se rejoindre. Hop, voilà. Et puis peut-être une ici, voilà, pour dire qu'on s'appuie sur l'argile. En théorie, vous aurez récolté l'argile, hein, dans votre game en survie. Et voilà, on est pas mal, on est pas mal du tout. Voilà, on a une ouverture, on a une petite maison sur pilotis. Vous n'avez plus qu'à faire de la déco. Alors la déco va consister déjà à mettre tout simplement, hop, on va récupérer les matériaux que j'utilisais beaucoup en déco, donc une porte d'entrée évidemment. Ensuite, il nous faudra des lits. Hop, vous voyez qu'il y a un petit effet, merci le Jeff, qui a été fait avec des paillasses, enfin l'effet paillasse plutôt, je voulais dire, qui a été fait avec des lits qui sont encastrés dans les dalles. Très bonne idée de le Jeff qui l'a beaucoup appliqué. Alors ça, j'en aurais besoin, ça, un petit escalier, voilà, on va être pas mal, et puis bah, ça, j'en ai pas besoin. On pourrait reprendre cette petite astuce là pour tenir le feu de camp. Voilà. Alors déjà, on va se mettre à l'intérieur. Petite décoration intérieure rapide. Donc les lits, vous en positionnez. Alors normalement c'est une maison pour deux lits, ça, hein. C'est pas une maison pour 36 lits. On a un petit peu forcé le trait, nous, dans Pillage Défense. C'était autorisé, mais c'est vrai que techniquement on mettait beaucoup de lits dans ces maisons. Donc les lits, c'est bon. Ici, bah, vous pouvez remplir, hein, dans l'absolu, puisque ce sera un sol. Inutile de le laisser vide, sauf si vous voulez faire une petite cave ou cacher un coffre, pourquoi pas. Et donc pour faire l'effet paillasse, eh ben c'est tout simple, vous allez mettre des dalles autour de vos lits. Voilà, ça n'empêche pas les villageois d'aller se coucher, mais bah vous, ça vous permet d'avoir ce petit effet paillasse que je trouve effectivement, comme disait Jeff, fort sympathique. Ensuite, eh ben, soit vous remplissez tout, ce qui est pas mal parce que ça va vous permettre d'avoir un plancher anti-spawn, par contre un peu pénible pour poser certains blocs. À savoir les escaliers, etc. Les escaliers, n'importe quoi, les coffres, voulais-je dire. Mais vous pouvez très bien ruser. Par exemple, là, si on veut mettre un coffre ici et un coffre là, le rangement des deux dormeurs, voilà, vous pouvez faire comme ça. Et puis, bah, pour mettre une petite table en imaginant voilà, qu'il mange en face de la fenêtre, voilà, tac. Et c'est des petites gens, les nains, donc les nains, n'importe quoi. Oh là là, les nains vont m'en vouloir là. Donc on peut leur faire un petit coin repas comme ça, tout simplement. Ils sont pareil, enfoncés dans le sol, leur petit coin repas. Donc la porte toujours en encastrement pour donner du relief. Et on va conclure une déco sommaire avec bah, une petite passerelle. Alors c'est toujours compliqué à faire les petites passerelles comme ça. L'idée c'est d'imaginer qu'ils ont essayé de faire un petit escalier, hein, et puis on va essayer de venir le soutenir. Hop. Voilà.
De temps en temps, à intervalles réguliers, on va essayer comme ça. 1, 2, 3. Oups. Voilà, c'est ici que je vais le mettre. De rajouter un peu de pilotis, toujours. Pour donner un peu de logique quand même. Que ça ne flotte pas dans le vide. Voilà. Et puis bah là, on pourrait imaginer que ça vienne s'accrocher comme ceci. Voilà. Que ça fasse un petit soutien de cette petite passerelle. Et comme ça, vous avez tranquillement fait votre petit accès, votre petit accès, pardon, pour aller chez vous. Voilà. On va juste rajouter le petit établi là, comme on disait. Voilà, on met un petit établi là. On va récupérer des petites barrières. Ah oui, sur l'établi, on sneak. Voilà. Et ça fait le soutien du feu de camp qui est au-dessus. Même si voilà, le but c'est de le cacher, hein, et pourquoi pas de mettre un petit feu de camp ici normalement. Mais voilà, non, pas forcément. Non, non, j'ai pas envie là. J'ai pas envie, donc on va pas le faire. Voilà, un petit peu de déco extérieur aussi, c'est pour ça que j'ai récupéré vite fait les lianes. Ça peut être sympa, vous êtes dans un marais, de faire quelques petits bouts de lianes ici et là qui vont venir pendouiller de votre build. Voilà, alors faut pas trop en mettre, mais un petit peu, ça peut être sympa. Voilà. Moi j'en ai mis peut-être un peu beaucoup. Là vous voyez par exemple on n'en avait pas mis. C'était peut-être une erreur. C'était la fin du game. On avait été un peu vite. Et voilà, vous avez votre 1, 2, 3, 4, 5, 6e petite maison sur pilotis dans ce village marais. C'était pas très compliqué je trouve. Vous pouvez le reproduire quand même relativement facilement. Hop, je me mets un petit peu mieux. Je trouve que ça donne un petit cachet vraiment très sympa au marais. Alors par contre, il vous faut évidemment trouver un village acacia avant de vous occuper du marais. Mais ça ne devrait pas être si compliqué que ça. Après, bah, y ramener des villageois. Comme ça, vous découvrirez le look des villageois des marais. D'ailleurs, hop, villageois. Parce que j'ai l'impression que mes villageois ramenés dans l'autre tuto se sont fait la malle. On va mettre quand même deux petits habitants ici. Histoire de conclure avec deux petits copains. Et voilà, vous avez deux habitants des marais. Bonjour messieurs ou madame, on sait pas. Hermaphrodite, regardez, ils ont des petits champignons derrière. C'est trop mignon. Voilà. Donc bah, c'est en compagnie de nos deux compains que moi je vais vous dire à bientôt si vous le voulez bien. Portez-vous bien. Ciao ciao.